Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un pile plaisir que nous rentrons la Kayou Aswea pour une autre série d'émissions Goose Urology Health. Avec bien sûr, moi-même Gina Isidore Dake comme host et puis bien entendu, docteur Panouan, docteur communautaire, urologue Panouan, docteur Angelo Goose. Bonsoir docteur Goose. Bonsoir Gina. Le mois, moi content et me connais nous-mêmes tous, amis téléspectateurs, nous content parce que c'est information, éducation qui peut faire au niveau urologique. Et à ce soir, nous prenons parler nous de un bagage qui est très important, car monsieur qui a non seulement attaqué monsieur, mais aussi foyer, famille. Docteur Gousse, à ce soir, moi connais que j'ai plus que selon recherche que me fait, parce que m'en vais venir là à ce soir. Chercher qu'on est pour me venir la question pour vous, pour téléspectateurs. Moi, je vois que plus que 40 millions de garçons qui ont affecté par ça, erectile dysfunction, problème ban, moun qui ont problème pour yon bander, pour yon rete campé. Donc, quand y a là tout, Dr. Goose, là que tout médicament yon prend Cialis, Viagra, Levitra, tout ça yon prend, li pa mache pou yon. Bagay sa refrakte, li mal pou le kampe, bon, sa pa kavin. Ki sa, ou même en tant que urologue kap travay nan domaine sa, kapab di monsieur yo, a madame yo, me sa m ka fe pou nou. Ki solution? Ki solution gen? Donc c'est là, jina ou rentre la ka, d'emblée m kapab di, de cas réfractaires que nous relayons de l'homme qui a problème de bande sévère parce que ou gars qui a problème bande mais soit rarement qu'au baratement donc ou leur constat au baratement mais le plus souvent tout bagage marché ou gars des fois c'est 50% de fois le marché 50% de fois que le pas marché ça veut dire gars jour bon gars jour pas bon okay. Donc ce bagage est capable de dire qu'il modéré et en dépit du fait que on prend médicament et en pile garçon depuis on commence à baratement yo commence à chercher médicaments dans mes amis gagne calé dans station gasoline dans gas station yo y a chercher aussi de bagaille que yo vend et moi j'ai des amis qui ba quelques comprimés donc pour yo voir qui ça capable bailler mais on sait le garçon tout quel que soit comprimé yo prend tant qu'on se dit pas rien marché et quelques fois obligé bailler pigeon en pénis là ou piqu chaque fois va rentrer dans relation yo les a injection. Et parce que ça a une même injection, des fois, elle pas marché bien pour vous, il n'y a pas capable de rendement. Mais on va avoir les vacuums, quand on est capable de râler sans, la pénis, on met tout sorte de, ou sorte de morceau élastique pour qu'il y ait bon nom. Donc, là, tout le bagage, ça n'a pas marché. Donc, son seule solution gagnée, c'est un plan. Donc, c'est-à-dire que, mais malheureusement, il y a plus de garçons qui ne comprennent pas, il y a plus de monde qui ne comprennent pas exactement qui ça qui est un plan. Un plan, c'est ça, il y a des gens qui ont le pompe. Son propre installé ou un plan son prothèse que lié que installé en deux pénis garçon que sous opération que lié pour capable aider ces solutions ça et ces solutions ça qui existait dans la médecine et ces solutions ça qui existait en urologie pour le que pas grand rien encore qui marchait c'est les mêmes qui va solutionner problème là bien content on dit que bon solution parce que docteur Goose un problème pour ça ou non foyer ou vivre à madame ou l'impact des relations li gon impact sur relation non seulement sur relation et monsieur et madame mais tout sur garçon en particulier qui a problème maintenant l'a affecté mentalement oui absolument parce que quand pile la patient yo vinn joine moi et yo n'a bagay que yo discuter avec c'est que senti que pas garçon encore la caille. Parce que, imaginez que y a dormi derrière de madame yo, chaque soir, un mois passé, deux mois passé, yo senti que yo pas capable de faire un rendement. Et en pile là-dedans, yo, et moi dans la communauté, yo senti, puisque yo senti mal à l'aise, yo a dormi dans l'autre chambre. Yo dit, m'a dormi dans la chambre madame encore, yo cherche l'autre côté pour yo dormir parce que yo senti que yo pas capable de faire un rendement. Et fia lui-même, partenaire, il a senti isolé parce que même le mari qui avait été couché avec la même cabane pendant des années, qu'on a mis tout d'un coup, Maria, les soirs qu'on y a là, il est séparé. Maria a l'enchambre, madame a l'enchambre, il a vivre dans comme d'adou, c'est frère et soeur. Donc, et, il y a là-dedans, qui s'est quitté Kaila, et il y a l'autre bagage tout qu'on passe, parce qu'on sait le cas d'infidélité qui vient passer dans le foyer, c'est à cause de ou série de problèmes sexuels. Et c'est un gros problème parce que il y a une fille tout. Conseil de malade qui dit que madame n'a pas la pile dans la tête, madame n'a pas tué dans la carrière, et madame n'a dit que si vous n'avez pas résoudre le problème, il n'y a pas obligé de
faut que vous marchiez eux-mêmes. Vous ne pouvez pas arrêter dans le cas parce que vous jeûnez toujours, ou bien vous sentez que vous avez des sensations toujours, vous ne pouvez pas faire toute la vie pour que vous soyez abandonné. Vous ne pouvez pas faire un bon moment. Oui, vous ne pouvez pas faire un bon moment dans le cas. Si vous avez mangé seulement, vous ne pouvez pas faire un bon moment. Comment ça va? Oui, donc c'est très important. Même le nous et ma vie sont des choses qui sont très importantes parce que les cellules familiales là et émotionnellement, nous, ça va passer. Donc, très important. Mais docteur Gouz, ça qui fait plus content toujours, c'est qu'on dit que le que moun nan fin fait implant, gen espoir. Est-ce que yo gen sensation? Est-ce que son bagay qui douloureux? Est-ce que tout gen pile réussite nan niveau et intervention ça? Bon, oui, ça c'est tout, son paquet de questions posées là. Oui. Donc c'est vous posez une différente question. OK. OK. Bon, petite chance pour expliquer. Bon, you nan bagay pour nous comprendre c'est que opération ça, c'est pas opération fait par Etavel. C'est opération qui là depuis, m'a capable de dire, l'année 1970. Yo. Vraiment? L'année 1970, yo, bien entendu, une prothèse là, que nous allons montrer qu'on y a là, c'est où il y a une perfectionnelle. Il n'y a pas de paraître gens que prothèse là apparaît. Ça, c'est prothèse là. Donc, bien entendu, prothèse là, montrer prothèse là, avant qu'on installe. Ok. C'est-à-dire que là, il y a une installation prothèse là, tout bagage ça en deux monde. C'est-à-dire que pas que monde qui ouais une partie de prothèse ça va paraître. Donc tout bagage là en deux monde et les prothèses là fin installé en deux monde pas que monde qui connaît que tu fais opération. En effet, conseil de patient qui fait opération ça, madame veut pas même connaît. Il va pas parler avec pour malade, qui pas jamais réaliser ça. Ce monsieur saute juste New York pour venir faire opération à Miami. Parce que tu voulais, c'est même qui pouvait faire opération. Bien que le gars assurance, tu as dit, plutôt préféré payer cash, il est venu pour faire opération. Mais il dit, l'homme devine, il ne pas comme ça. Madame, il ne connaît pas ce qui s'est devenu avec les Miami, c'est prothèse là que le devine mettre. L'homme vient mettre prothèse là à Miami, même, il retourne à New York, il a commencé à guérir. Après ça, il a là, il a commencé à performer avec madame. Il dit, madame, non, mais ça s'est passé. Qui me dit qu'à mon joint, qui sont les joints parce qu'on va te comparer. Mais tout d'un coup, qu'on y a une performance, que des pour des jeunes petits garçons, des connards, c'est là, ça te comparer une performance comme ça. Donc, on y a là, il dit, c'est après, il chita madame, il explique madame, qui ça l'a fait. Donc, ça veut dire. C'est évident que l'offre une opération, ça, par un lien dans le tube, ça, que m'a montré là, paraît. Mais pour me capable d'expliquer qui j'ai apparu la marché, obligé de monter le système, non, avant que l'installe. Et donc, on a nous, sur pièce machine qu'on gagne. Ben, pièce machine, ou le mécanicien moto, pièce là, mais elle installe en deux moteurs. Ou pas, machine qui a marché normalement. Mais on ne connaît pas qui s'accroche dans la machine. Et bien, c'est la même analogie. Ya. Tout le monde, c'est eux-mêmes qui battent les bagages en bonne. Donc, il y a trois parties principales. Il y a le réservoir. Et le réservoir lui-même, c'est lui-même qui a un liquide. Et le liquide là, c'est un liquide blesse bien simple que lié, c'est de l'eau salée que lié. Ok. Mais il est stérilisé. Ou de l'eau salée stérilisée. C'est lui-même qui est au système hydraulique que lui. C'est-à-dire que c'est liquide ça qui est dans le réservoir ça qui va gonfler le cylindre. Moi, il est au cylindre, mais c'est le petit tube qui est en contact. Quand un petit blague, il est en souffler. C'est comme ça que lui. Donc, je vais continuer pour expliquer qui j'ai une prothèse à marcher. Nous allons faire une pause. Après ça, on va retourner le fonctionnement de la prothèse. Amis téléspectateurs, on a toujours été branchés. On va retourner dans quelques minutes. À tout de suite.